Salut les gars, Hyperclone Gaming là, avec vous là, on se retrouve aujourd'hui ici les gars pour une belle vidéo, ok? Je suis sûr que tout le monde aime bien ce type de vidéo. J'espère que vous allez bien profiter de cette vidéo là parce que ça se trouve, elle pourrait être pâtée aujourd'hui ou même peut-être demain, oui. Ou peut-être plus tard, on sait jamais, ok? Mais je vous conseille de la faire au plus vite possible, ok les gars, car moi je viens de la faire il n'y a pas longtemps. Donc les gars, pour réaliser ces glitch là les gars, en fait le glitch qu'on va le faire, que je vais vous montrer, c'est on va transférer la tunage, ok, le mode, on va modder un véhicule par un véhicule, ok, des véhicules par véhicule, on va pas utiliser l'OSC Bandito, ok les gars. Pour réaliser ces glitch là les gars, il va falloir le bunker, ok, et aussi l'arène, ok, avec l'atelier des véhicules, ok les gars, c'est important. Si vous n'avez pas l'atelier de véhicules, c'est même pas la peine, vous achetez, vous trouvez un ami qui peut vous aider à gagner de l'argent. Si vous n'avez pas, et vous ferez, vous acheterez l'atelier sur l'arène, ok les gars. Comme vous venez de voir là, l'apparition les gars, il faut mettre au bunker, ok. Moi je suis sur une session sous invitation. Pour vous, avant de créer une session sous invitation, vous regardez d'abord votre apparition au bunker, ok? C'est très important. Vous mettez votre apparition au bunker, vous changez une tenue et vous attendez le petit rond jaune et c'est terminé. Et aussi les gars, pour faire ce glitch-là, il faut l'aide d'un ami, ok? L'OMI qui va m'aider, c'est AW. Donc un gros merci à AW qui va nous aider, ok? Donc là, je vais vous montrer maintenant les gars, le glitch, ok, c'est parti les gars. Ce qu'on va faire ici, mon poteau il va rentrer dans la voiture, il va venir sur PlayStation Store, ok, il va rester sur cette page là jusqu'au bout, ok, jusqu'au moment où on est sur une partie vocale. Je vais lui dire tiens, je vais t'envoyer une invitation, et là il va quitter, il va rapidement ouvrir son téléphone et accepter mon invitation, ok. Donc les gars, ici qu'est ce qu'on va le faire les gars. Le poteau, il est sur la page du Sharkard, ok. Moi, je vais ouvrir le pavé itératif. Je vais aller sur course improvisée, ok. Regardez, des fois, les gars, ça va nous faire rentrer dans le bunker. Si ça fait vous rentrer, c'est pas grave, vous ressortez, vous recommencez, ok. Ça arrive aussi des fois. Donc là, les gars, dès que je vais dès que je vais cliquer sur course improvisée, regardez, le poteau il va descendre. Il est descendu, ça y est. Qu'est-ce qu'on va le faire, les gars? On va partir et on va en direction à la reine noire, ok? Les gars, je vais couper la vidéo. Dès qu'on arrive à la reine noire, je reviens, ok? C'est parti, let's go et fouille. Voilà, les gars. Donc, en arrivant ici, les gars, à la reine noire, qu'est-ce qu'on va le faire? Les gars, on a pas d'accès au pavé interactif, ok, on n'a pas au pavé interactif, au pavé tactile, au menu interactif, et on a besoin pour inviter notre ami, ok les gars, on a besoin que ça se débloque. Pour débloquer les gars le pavé interactif, le pad, il va falloir qu'on rentre dans l'arène noire et on va ressortir, ok les gars. Ce glitch là il est massif, ok les gars, il est massif. Vous pouvez modder vos véhicules à la totale, ok. Donc là les gars, qu'est ce qu'on va faire, on va re-entrer. J'ai passé un petit peu. Dès qu'on est ici les gars, qu'est ce qu'on va le faire, on va inviter l'OMI, ok. Et là c'est là le moment que je vais lui dire tiens, je vais t'envoyer une invitation poteau. Donc, c'est pas la partie vocale. Donc le poteau il va entendre un petit tic de son téléphone là bas dès qu'il entend le petit tic, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va quitter rapidement la page des Dollar Shark, ok, des Shark Card. Il va quitter rapidement, il va accepter l'invitation, ok. Après les gars, il va arriver ici, vous allez voir à la suite, c'est pas difficile, c'est très facile même, c'est pas les gars, beaucoup du monde j'ai vu ils m'ont parlé de ces glitchs là, ok les gars. Donc je vous ramène, ils m'ont demandé ces glitchs là, ils disaient que ça marchait pas, ça marchait pas. J'ai dit bon, moi je vais ramener,
Voilà, il est là. Donc, les gars, ça, c'est la voiture que je vais prendre l'eau modage. Ok, c'est cette. Je vais passer l'eau modage de cette véhicule là par un autre véhicule. Ok, donc moi, je vais passer le motif dollar, les jantes bénies, tout un autre véhicule. Et les gars, les véhicules armés qui peut utiliser, qu'on peut passer, c'est le Tampa, ok, le Menacer, les voitures armées, vous pouvez passer avec cette véhicule là, le révolteur. Ok, si vous n'avez pas le révolteur, contactez-moi, on va faire un don de véhicule et vous allez récupérer le révolteur, il n'y a pas de souci. Là, les gars, je vais modder le Tampa, ok, les gars, c'est le Tampa que je vais le faire. Mon poteau, les gars, qu'est-ce qu'on va le faire ici? Je vais rentrer dans la voiture. Ok. Le poteau, il va rentrer et va disparaître, les gars, ok? Au moment où il va disparaître, qu'est-ce qu'on va le faire? On va descendre de véhicule. Pour que le poteau, il revienne, les gars, qu'est-ce qu'on doit faire? On va retourner à la voiture qui on a laissée au atelier, ok? Celui-ci là. Regardez bien. Les gars, une fois on est rentré dedans, flèche de droite, ok les gars, flèche de droite. Dès qu'on a mis flèche de droite, le poteau, les gars, qui a disparu, il va revenir. Il va conduire la voiture et là on va dire, ça y est, tu peux venir. Ça y est, AW, tu peux venir. Voilà. Là, les gars, il revient. En arrivant ici, les gars, pour soulager pour l'ami, qu'est-ce qu'on va le faire? On va cliquer sur le bouton Start. On va laisser avec le Start. Comme ceci là, ok les gars. Vous laissez sous la map, ok. Vous laissez comme ça, la voiture elle va bouger tranquillement. Le poteau il va aussi tranquillement. Elle va être très léger pour lui, ok. Et là les gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me pousser jusqu'au bout. Vous savez là l'emplacement où il y a le camion de la Renoir. Donc il va nous pousser juste là-bas. Là il est en train de me pousser à l'avant, ok les gars. S'il mettait à l'arrière, en marche arrière, il allait me pousser beaucoup plus vite, ok. Mais dès qu'il sort ici du carré, ça pousse facilement aussi, c'est plus facile. Donc là, les gars, il va me laisser là-bas. Dès qu'il a laissé là-bas, les gars, qu'est-ce qu'il va le faire? Il va retourner le Tampa ici, dans le carré, ok, les gars? C'est important qu'il le mette, le Tampa, dans le carré, ok? Dans le carré ici, du l'atelier. Là, les gars, si vous voulez changer quelque chose sous la voiture, c'est là le moment. Mais là, nous, on va pas changer, ok? Moi, je vais rien changer. Ce que je vais faire, je vais cliquer rond, ok? Et je vais descendre du véhicule. Voilà, nickel. Les gars, une fois on a fait ça, c'est fini les gars, ok? Le poteau, il a déjà descendu de le véhicule, les gars. Il est sorti de l'arrêt noir, ok? Il va direction à la porte, il sort, ok? Il va avoir une cinématique dans le bunker. Il attend jusqu'au moment où je l'envoie une invitation. Et ici, on va cliquer sur le bouton Start. Dès qu'on lâche le Start, flèche de gauche, ok les gars? Et là, ça va faire ce bug-là, ok les gars. Une fois ça fait ce bug-là, vous mettez en première personne et vous faites une action, ok. C'est toujours le même glitch, ok les gars. C'est toujours la même chose pour. C'est comme l'OSC Bandito. Voilà, regardez, la voiture elle a bien pris le modage de la Revolter, ok les gars. Nickel. Donc là, pour sauvegarder le véhicule, flèche de droite. Voilà. Une fois flèche de droite, qu'est-ce qu'on va le faire? On va changer la couleur de la plaque ou ce que vous voulez, ok les gars. Vous changez quelque chose, une blindage. Regardez, moi j'ai même pas le droit de voir le blindage à fond. Comme la voiture elle était c'était un don de véhicule, elle était à fond, donc j'ai récupéré tous les tunages et la révolteur, ok, qui c'était un ami qui m'a donné. Donc là les gars, une fois vous allez changer quelque chose ici sous la voiture, c'est terminé, ok. Là vous pouvez passer à la suite, ok les gars. Vous allez descendre, vous pouvez remettre la voiture à sa place, vous descendez et vous invitez votre ami. C'est là le moment où on va inviter notre ami, ok les gars. Là on voit l'invitation, voilà, nickel. On attend que l'ami il arrive et vous continuez à tuner, ok, à passer le tunage, le mode, à modder le motif et tout ça, les jantes bénies sur un autre voiture, ok les gars. Les gars, un truc que je vais vous préciser avec le Menacer
les voitures armées qui a plus de deux places, ok, ça ne marche pas, ok. Ça marche, mais il va falloir 4 personnes au minimum. Il faut 4 personnes pour que ça marche, ok les gars. Donc là, je vais passer un petit peu la vidéo, ok. Sinon, ça va être un petit peu long, ok. Parce que j'ai modé aussi avec le billet. Et là, je vais vous montrer avec une autre véhicule, ok. Une autre véhicule qui soit pas avec le motif billet, ok les gars. Un véhicule normal, voilà. Donc ça va être celui-ci là. Je vais mettre un peu en avance la vidéo, ok. Je vais l'avancer, mettre un petit peu plus rapide. Sinon la vidéo elle va être trop longue, ok les gars. Et là vous allez descendre de le véhicule, ok. Le poteau il est là déjà. Qu'est-ce qu'on va le faire? On va prendre un véhicule ici. Il va rentrer dedans. Pareil les gars, il va faire toujours la même chose. Il va disparaître. Vous allez sous l'atelier. Vous rentrez dedans, la voiture flèche de droite. Le poteau il va revenir. Voilà. Les gars, il est invisible, ok, dans la voiture, ok. Là, vous allez mettre start. Et là, il va vous pousser. Voilà, il a poussé en marche arrière. C'est beaucoup plus facile. Une fois, il a poussé, il met la voiture ici. Il descend de la voiture, il sort, ok. Il sort de l'arène noire, ok, les gars. Il n'y a que ça qui va le faire. Là, on va changer quelques modages. Je vais changer les jantes. Parce que je vais à notre jante, ok. C'est une voiture bénise, ok les gars, celui-là. Je vais modder, je vais mettre voilà, celui-ci. Nickel. Les gars, n'oubliez pas de liker, les gars, n'oubliez pas d'inscrire sur la chaîne et activer la cloche pour ne pas perdre aucune de nos notifications. Ça fait un grand plaisir de vous recevoir ici parmi nous, ok les gars. Là les gars, j'ai changé quelque chose, ok, sur la voiture qui me plaise. On va changer ce que vous voulez, ok. Une fois vous allez changer les gars, vous descendez du véhicule, vous rentrez sur le véhicule là et c'est la même méthode. On tient le start, dès qu'on lâche le start, flèche de gauche. Ah là, ça n'a pas marché, c'est pas grave. Start, on tient, hop, là ça a marché les gars, ok. Là vous mettez en première personne. Le joystick, les deux joysticks, le L3 et le R3, vous cliquez au même temps, plusieurs fois, ça va faire l'action. Et voilà les gars, la voiture elle a bien pris le tunage, les jantes bénies, la couleur tous de l'autre voiture, ok. Donc les gars, n'oubliez pas de liker, je vous dis encore une autre fois, inscrivez-vous sur la chaîne et activez la cloche pour ne pas perdre aucune de nos notifications. Là, je suis en train de sauvegarder la voiture. Donc, les gars, je vous laisse avec un gros bisou. J'espère que vous allez beaucoup profiter de ce glitch-là, de cette vidéo-là, au maximum. Faites le maximum que vous pouvez parce qu'aujourd'hui ou demain, ça peut être patché, ok. La chaîne de mon ami, ça va être sous la description. Inscrivez-vous aussi, ok. Donc, je vous laisse. Un gros bisou sur les fesses et ciao. Fouille.